Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Heureur. On joue sur un scénario sur Civilization 4 qui est un vieux jeu que j'aime beaucoup. Petit accro au début, mais Heureur va jouer les Français et du coup moi j'ai dû me rabattre sur les Vikings. On a tous des niveaux de difficulté variables. Heureur a pris un de moins que les IA les plus fortes. Ça me paraît raisonnable, sachant qu'il joue pas très souvent à ce jeu et qu'il a pas joué depuis un moment et que les IA sont plutôt fortes. J'ai pas joué depuis plus d'un an. Voilà, donc j'ai rechargé la partie, je sais pas si ça t'a rechargé tous tes trucs. On en était juste au premier tour, donc j'ai débarqué côté Irlande et côté Angleterre. Sachant que pour l'instant moi je suis ennemi avec tous les Européens, peut-être que... Ah non, moi j'ai terminé mon tour donc je peux plus parler avec toi. Ah voilà, est-ce que ça tirait à un traité de paix? Tu vois les accords actuels? Envoyer. On peut changer des trades si tu veux de Oui, mais il faut technologie. un cessez-le-feu d'abord. On est en guerre, si mais t'as pas remarqué. T'as reçu la demande? Ok, on a fait la paix. Tu veux échanger des trucs? J'ai l'administration et la métallurgie, t'as Alors, c'est moi que qui ai l'administration et la métallurgie. Et moi j'en ai 3. Oh là là, j'ai mieux que toi. Ouais, mais ce qui compte, c'est les points de science. 900, 1000, t'as 700 et 400, c'est nul Alors déjà. moi je te propose, je te file mes deux trucs plus toute mon or contre tes trois trucs. Non, vraiment pas. Je te rappelle que moi j'en ai un à 600, t'en as un à 700, si c'est à peu près valable. T'en as un à 400, j'en ai un à 1000 et une autre presque à 1000 aussi. D'accord. Comment on commence les trades? Attends, Qu'est-ce que je... clique sur mon nom. Voilà. Qu'est-ce que tu me donnerais contre l'administration et la métallurgie? Bah, comment dire, ça fait 1100 au total. Ouais. Au tout total. Tu peux me donner tes deux plus petits? Mais ma... il y en a une qui fait 1100. Non, ça fait 1600 mes trucs. Rêve pas. Alors, 720 plus 400, Lily. Ah, c'est parce que t'es en mode facile ah, par rapport à moi, donc on n'a pas les mêmes niveaux de trucs qu'il faut. C'est pour ça, moi je vois que le droit divin il fait 1600 alors que toi tu vois moins. C'est 1080 pour moi. Ouais, parce que t'es en mode facile. Tu peux pas me donner le féodalisme et l'ingénierie? En plus, tu sais que c'est bon, j'accepte. Parce que tu me passes tout ton or. Ouais, je me suis dit que ça pouvait t'aider. Et tu peux faire plus un or par tour pour faire un peu plus. Je peux pas donner d'or par tour parce que je perds de Ok. l'or par tour. J'accepte. Alors, Oui. du coup. Nanana, votre société est maintenant nanana, augmenter la production de commerce capital et les produits de révolution. J'ai fait une révolution de mon Voyons la côté. situation, moi You have aussi. discovered feudalism. You have discovered engineering. Pour l'instant, toi, tu 300 tout. restes. Non, c'est pas Alors, il 300 peut tout. aller là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah si, c'est 300 Et tout j'attends parce que que je tu suis en... termines ton tour pour que ça passe le tour. Oui, Ah, c'est moi 300 j'ai tours mis parce que t'es 300 en tout. anarchie. Ouais. Alors, pour qui je vote? Charlemagne ou Justinien? Ah, y a pas toi. Alors... Toi aussi, t'as le vote. Moi, je Pierre le Grand. vote. Non, d'abord je découvre Pierre le Grand. Notre D'accord. paix, voilà. Au revoir. Je propose qu'on vote pour Je découvre Justinien Isabelle. premier parce qu'il est loin de chez toi. Mais c'est quand même mon pote. Il est pas très loin de chez moi en soi. Bah ça dépend, t'es copain avec Charlemagne? Bon, j'ai voté pour Justinien, c'était un peu tard, mais... Charlemagne, oui. Mais moi aussi j'ai voté pour Justinien. Alors, j'ai piqué tous les ouvriers du mec. 23, c'est pas top. Là, il y a des archélans. Là j'ai 400 unités presque. Allez, il va Pourquoi ils avancent construire pas, ouais? son truc là-bas. J'aimerais prendre l'Angleterre. Je sais pas si mais c'est faisable. Tu veux pas m'aider à prendre l'Angleterre, Ara? Est-ce que t'as des bateaux, en fait? Oui. Plusieurs? Pourquoi j'aurais pas plusieurs bateaux? Je sais pas, c'est une question. Parce que t'es pas une civilisation navale, donc on va laisser la ville barbare pour l'instant. Bah oui, j'ai deux bateaux, je crois. 26%, même pas en rêve. 89%, c'est pas ouf ça. On va se mettre sur la route comme ça. 89% pour de chances de réussite de bataille? Ouais. Mais c'est très bien. Mais si tu te bats contre qui? Contre Danzig? Non. Ah.
Bon, pour l'instant, je Oh, j'ai des vais les soldats là, faut que ma galère elle aille là-bas. laisser. Oui, du coup, tu veux. T'es où toi? Tu veux te taper contre qui? Londres, tu vois Londres? London. Au nord de chez toi. D'accord, j'ai pas de bateau ici, mais je peux en ramener logiquement. Ah, t'as parce que t'as des bateaux chez Saladin. J'en avais un, ouais. Super loin, bon. Mais j'en ramène un Oui, t'as deuxième. qu'un seul bateau, c'est pour ça que je demande. Non, deux. J'ai deux bateaux. Moi, j'ai fini mon tour en fait, ou j'ai encore des unités à bouger? Ah oui, j'ai celle-là. Ou alors on tape Charlemagne. C'est qui Charlemagne? C'est Guerre en blanc? Ouais. Pas allié avec lui. Moi, je suis en guerre avec tout le monde, mais. J'accepte de taper Charlemagne. Prends Danzig d'abord et après on tape Charlemagne. Danzig, ouais, je les vois maintenant Danzig. J'ai toutes mes unités à côté. Ouais. Donc ça va aller facile. T'as intérêt à les prendre dans le même tour pour éviter qu'il y ait un chevalier allemand qui vienne ramasser la ville. T'inquiète pas. J'ai beaucoup d'unités, j'en ai une douzaine. En train de voler les buter. Ah, j'ai gagné une bataille de galère. Lily, juste un premier, 8 au total. Ah, génial. Examiner la ville. J'ai chopé les ouvriers de mon magasin. Alors, la ville, ça sert à quoi? Des archers longs, ça prendrait 7 tours. C'est pas une mauvaise idée, ça va me défendre. Ils ont du fer, on va peut-être les empêcher d'utiliser leur fer. Et là, Hop, on a débarqué partout, on attend le prochain tour et on les matraque. Ouah, c'est super long pour aller jusqu'à la ville de machin là. Ouais, on est d'accord. Il dit un truc en tour monstrueux, non? Non, ils m'ont dit deux pour le plus petit. Deux tours? Oui, parce que je suis déjà à côté. Ah, pour aller à Danzig, ok. Oui. Suis juste devant, au prochain tour, c'est pris. J'ai un colon qui est à droite, mais qu'est-ce qui va me servir vraiment? Après les rouges, il y a plein de territoires vides, et si jamais tu construis là-bas, il y a des moyens d'avoir des villes monstrueusement fortes. Ok, alors je vais aller là-bas. Je vais. Oups, j'ai ouvert un truc de message, c'est ça? Ah, par contre, je peux pas passer par les rouges. Ah, faut leur demander le libre passage. C'est pas trop dur. Pierre le Grand. Libre passage. Même contre moi, il veut bien, alors que je suis ennemi avec tous ses copains. C'est bon. Voilà. Alors, lui, il pourra lui taper dessus, mais c'est que 26%, c'est pas une question. Bon, allez, 86%. 88. Je l'ai C'est battu. bon, erreur? Ouais, je tapais juste un gars. Et maintenant, je me soigne avec le reste. Parce que moi, j'ai des tours à faire, quoi. Enfin, j'ai des trucs à faire. Je tapais Saladin. Alors, il veut libre passage, on va accepter. Alors, on va prendre 5. Ah, qu'est-ce qu'on fait dans nos C'est bon. villes? J'ai même pas pensé. Ah, en plus, je peux l'améliorer. Faire un Puissance, aqueduc ici, puissance ils de sont pas repli. trop Plutôt bons. puissance. Ici, il me faut un truc Il manque culturel. combien de vie, lui? J'ai clairement l'impression qu'il a toute sa vie, non? Ah, je peux J'ai faire plus un que 50%. comptoir, remplace On va par. arriver. Oh, génial le comptoir. Et toi, tu te défends l'autre. Comptoir. Mais avant, ici, il faudrait faire un bateau atelier pour aller s'occuper de la case qui est là-bas. Alors, j'ai chopé des ouvriers à foison en Voilà, Angleterre. tu vois. Rien que pour ça, la guerre valait la Voilà, peine. tu vois. 31%. Ah, et parce qu'il y a un cours d'eau, faut pas que je passe de l'autre côté du cours d'eau. Si jamais tu passes de l'autre côté du cours, tu vois, en fait, quand tu prends une unité et que tu t'apprêtes à combattre, t'as une probabilité de victoire et en dessous, t'as plus X% en les trucs en vert, c'est tes bonus et les trucs en rouge, c'est les bonus des adversaires. Ok, plus 50% de défense de Oh, ils terrain, ont maison de aucune renforcement. pénalité de combat en sortie de mer, j'avais oublié. Bon, hop. Alors, pourquoi là, quand je tape... Ah, attends, reviens-toi. Ah ouais, défense de terrain encore? Ouais, c'est le terrain, ça bouge pas. Ah oui, et c'est quoi l'autre? En fait, c'est quoi? Là, parce qu'il me dit défense de terrain et retranchement. Bon, je vais me déplacer. Ah, oh, crotte, je suis en train de. Ah, c'est gagné. Ma galère, elle est là, parfait. Oui, La il faut galère, je peux la faire. 37. Ah oui, mais c'est galère pour la faire passer de l'autre côté. Pour l'instant, on va faire ça. Bon, je vais la laisser, je vais la ramener au niveau de la. De l'autre côté, au niveau de mes autres villes, mais ça va être. Qu'est-ce que ça va être loin? Hop, voilà. Ah, j'aurais dû Prends sortir ça. Archelon là. On va Sans peut-être aller prendre la aucune. ville dans le nord aussi. Moi, j'ai vraiment la J'hésite. flemme d'utiliser mes ouvriers, donc je leur ai dit faites ce que vous voulez, et puis voilà. Ouais. Ouais, c'est une façon de faire. Après, il y a des cases qui peuvent plus t'intéresser sur ton territoire. Ouais, mais je sais pas régler ça et ça me saoule. Ok. J'aime pas ça va faire ces merdes là, donc je lui dis des merdes toi.
Il est pas trop mal pour ça, normalement. Bah, j'ai 2 mégapins, c'est pas mal. C'est fou ce qu'ils prennent un moment avant de réagir, mes unités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire un truc genre... La galère est ici. On les charge dedans. Bon, 63% c'est pas mal ou pas? Ça dépend si t'as d'autres unités pour prendre le relais une fois que t'auras tapé comme ça. En plus j'ai gagné. Bon. Ah t'as pris Danzig. Ah oui t'avais une tonne d'autres unités donc c'était pas très risqué. Ah une fois un colon moi là-bas. Où est-ce que je le mettrais idéalement? Ah oui j'étais prêt, hein. J'avais toutes mes unités à ce moment-là. Je vais faire une route par là. Voilà. Le colon, je vais toujours le faire avancer plus loin. Bon, je vais essayer de prendre le nord de l'Angleterre et l'Irlande de mon côté. Et puis ça sera bien. Et j'ai juste peur que Charlemagne il me prenne cette île là parce que j'ai baissé les défenses. Bon, si je perds mes villes sur le continent. Moi, je perds un peu tout chaque tour parce que je fais la technologie en assez grande quantité. Ouais, bah tu peux baisser si jamais t'as peur de perdre trop. Non, ça va encore, je perds pas beaucoup. Ah, j'ai découvert Paris. Oh, elle est pas très défendue, Paris. Une ville côtière faiblement descendue. C'est faux ça. Pour moi, ça va. J'ai un petit peu de défense, hein. Je suis désolé, c'est faux. Ah, yes, j'ai 2 mouvements. Ah, il y a un seul chevalier, je pense que je peux l'avoir. J'ai juste peur de détruire la ville de Nottingham. Ah, ce serait très bête. J'ai pas d'une unité à 100% de chance. Ah, ça finit par arriver, hein, ça. Ouais, mais en même temps, j'avais pas plus de chance en faisant que ce soit, donc. Et donc, si jamais tu fais des bâtiments culturels à Paris, en théorie, tu vas prendre toutes les villes allemandes. Des bâtiments culturels à Paris. Si jamais Paris a une culture suffisante, j'ai vu ça dans des fins de partie, elle peut prendre Londres, Bremen et Berlin, qui est plus bas. Comment on rajoute de la culture? Alors quand tu double-cliques sur une de tes villes, ouais, t'as 80% de français et machin pourcent d'autres choses si jamais il y a autre chose. Et en dessous il y a la culture. Ouais. Et ben la culture, elle se voit dans la liste des bâtiments au-dessus. Et donc quand tu vas sur la culture par exemple, il te dit plus 1 en raison de la religion, plus 2 en raison des bâtiments. Je vais faire ça après, ça fait 3 tours. Et mon bâtiment qui fait de la culture, c'est le palais. Ah, c'est ma capitale ça. Ah oui, ma capitale est au Danemark. Merde, putain. Plus 8 cultures, c'est super intéressant ça. Putain, mais comment on met 2 trucs en même temps, ça me saoule. Tu cliques sur... Alors ça dépend, tu veux mettre l'un après... Si jamais tu veux mettre après l'autre, il faut que tu cliques sur la touche majuscule. Temporaire. Okay, bon, ouais. Et si jamais tu veux mettre avant l'autre, c'est contrôle. Non, c'est bon. Okay. Et si tu veux répéter une unité, tu peux mettre alt. I'm ready. En fait, c'est chaque mois qui prend. Archelon a été détruit par un chevalier. Non, il a repris York. Crot. Charlemagne, il me hait. Hein. Ah, il te hait. C'est embêtant. Oui, il a pas l'air très content de moi. Ah, j'ai rasé la ville. C'est pas ce que je voulais faire. T'as fait 100 donc lui normalement. C'est bizarre. Oui, quand on installe le gouvernement. Elles sont toutes ces unités là. Ok, elles sont là. Toi là. En fait, faut que je fasse avancer mes arbalètes et mes chevaliers pas en même temps, sinon ils vont pas aussi vite. Ouais, enfin, oui, il faut les, faut pas les grouper quand ils vont pas assez vite. Pas aussi vite. Hop, et toi, tu vas là. Les arbalètes elles vont de une case par une case, les chevaliers vont beaucoup plus vite. Mon colon va encore plus. Enfin, mon colon va aussi vite qu'un gros. Gros, ici, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal là. C'est vrai que j'avoue que là, il y a pas mal d'endroits, pas mal cool. Toi, tu dors ici, la galère. J'aurai besoin de toi, mais après. Je vais refaire la ville là-haut quand j'aurai l'occasion. Faut juste que je gagne contre les Anglais. Et je sais pas si j'ai suffisamment de soldats pour gagner définitivement. Oh, autre idée. Je t'offre une galère et tu me prêtes 2 chevaliers pour prendre Londres. Londres? Elle est où ta galère? Juste au-dessus. Okay, 2 cases au-dessus de toi. J'ai plein de galères en fait. Ok, pourquoi pas, ouais. J'ai pas de chevalier à ma base par contre. Y'a moyen que t'en ramènes 2 de près de Danzig ou je sais pas où. Ou alors que t'en refasses. Peut-être que tu peux refaire des chevaliers facilement. Ça va prendre du temps, mais je pourrais, ouais. Ouais, mais à long terme. Ok, bah ça va alors. Ah, si tu m'aides à prendre les villes anglaises, je vais bien te laisser Londres. Ok, ouais. En vrai, je peux le faire, mais faut juste que je crée des chevaliers, ça va pas être trop logiquement. Mais...
c'est long le reste. Je vais essayer de voir ce qui pourra m'aider autre que l'optique. Philosophie, théâtre. Ah, non, on va faire. Toi t'avances et le bateau, tu décharges ta troupe. Ici. Bateau atelier et archélon. On n'a pas des très bons scores. Est-ce que je saccage tout? Je vais mettre là-dessus, cèdre. Et mon viking, il va prendre attaque de ville. Théâtre. 12 tours, c'est si long. Ouais, j'ai... Ah oui, je sais pourquoi. Okay. Parce que je vais enlever ma production. Il a peur de quoi, lui, en fait? Je sais pas trop. Peut-être qu'il y a un débarquement par galère. Ou... J'ai une tech gratuite, je crois. Ah, pourquoi? T'as fait le libéralisme? J'ai pas compris. Faut pas... T'as une tech gratuite, c'est-à-dire qu'il te proposait de choisir une technologie parmi... Ouais, il me proposait des technologies et j'ai juste pris la technologie, je crois que je l'ai débloqué direct. Je vais te dire. Hein. Ouais, j'ai débloqué le petit gratuit, ça me va, pas de problème. Ah, c'était un personnage, non? Non, j'ai trouvé aucun personnage chez moi. J'ai juste fait hop, merci pour la tech gratuite. Le métal, c'est intéressant, les chevaux, c'est intéressant. Oui, le fer, c'est nécessaire pour faire des chevaliers. Donc le métal et le chevaux au même endroit, c'est pas mal. Donc c'est génial d'avoir les deux en même temps. Tu dois probablement en avoir déjà du fer, sinon tu pourrais pas fabriquer des chevaliers, mais... Je n'ai pas fabriqué réellement, moi, mais oui. Ouais, je dois en avoir déjà, mais je vais le prendre quand même, c'est quand même intéressant. Je pourrais le vendre à d'autres gogoles. Alors, ouais, du coup, j'ai mon gars pile au bon endroit. En plus, j'ai une maison barbare après, donc on va pouvoir aller la défoncer. Je voyais 12 tours, j'ai fait quoi? 12 tours? C'est pas possible. En fait, je m'étais mis à 30% parce que j'aimerais rester un tout petit peu. Du coup, j'ai mis à 30% pour que ça prenne quand même qu'un seul tour. Mais du coup, j'ai gagné 36 d'or à ce tour-là. Si je m'installe, j'aurai le fer et les bestiaux. Là, j'ai des bâtiments, là, j'ai un grand. Et tous les territoires ici. Parce que les villes, elles font un petit rayon et un grand rayon. En fait, tu finis toujours avant moi. Ouais, j'ai moins de trucs à faire. La plupart du temps. Orléans. C'est tellement mal placé pour Orléans. Oh là là. Ouais, Bordeaux, Paris et Marseille, c'est des villes bien placées. Danzig aussi, bah même toutes les villes qui sont là de base, elles sont bien placées. Ah, ils n'ont pas de population à Londres. Une nouvelle technologie. Est-ce qu'ils utilisent l'esclavage à les Elisabeth, ça se trouve, oui. J'ai découvert musique grâce à un petit village. Oh, génial. C'est bien. Rien que ça. Bah, la musique gratuite, pourquoi pas, hein. Ah ouais, j'ai vu, d'accord, c'est pas mal, ouais. 500, oui, quand même. Bon, on va essayer de saccager leur terrain. Faire des découvertes avant les autres. Octroie un artiste illustre. Ouais. Musique. C'est une tech. C'est quoi la tech? Musique. Et t'es le premier à l'avoir? Non, il y a les Byzantins qui l'ont vu avant. Ah, je l'ai pas vu le gars. J'ai juste vu qu'il y avait ça qui était proposé. Oh, t'avais fini ton tour avant moi. Non, j'ai appuyé. Ouais, ou alors t'as fini pile en même temps que moi. Acceptez-vous d'écraser l'ignoble Viking? Il va te demander de déclarer la guerre. Hein. J'aurais dû te la déclarer et te la déclarer. Mais de toute façon, il est. Ouais, bon. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Bon, je réenverrai des ouvriers pour soigner les dégâts que j'aurais fait. Est-ce que t'as des. Monsieur là Tu veux le libre passage, Aurore? Oui, attends, je me déplace pour tuer des unités là. Je livre au passage avec Lily. Je suis deuxième en fait, ça va assez vite. J'ai tellement plus de tech que toi. T'acceptes? Comment ça a plus de tech que moi? Oui, mais c'est parce que. J'en ai 4. Voilà, et donc là, si je t'offre ce bateau. Je le vois, ouais. Et j'ai déjà un petit monsieur à côté. Qui est pas ouf. Mais ouais, mais c'est un petit monsieur pas ouf. Ça va pas être très efficace. Je sais. Alors, quel ressort vous savez poursuivre vos recherches? Est-ce que je pète son village? Pourquoi pas? Votre tour a commencé. Lily vous offre une galère. Non. Quel tech je veux prendre? Philosophie, c'est bien? Ouais, ça permet de faire des. Il me faut l'informatique. Ah non, c'est obsolète avec l'informatique, c'est nul. Papier. Ouais, c'est très loin l'informatique. Hein. Ouais, mais bon, j'ai pas trop envie de faire un truc assez. Plus un monsieur cool dans les villes. Et dans les villages. Je sais pas si c'est si intéressant. C'est quoi le papier?
Le papier, ça permet d'avoir les permettre d'échanger les cartes. Je vais prendre ça, ouais. L'échange de cartes, ouais, mais si jamais tu veux voir le nord, je pourrais t'échanger ma carte. Je me suis enlevé un petit peu de... Où est-ce que j'ai perdu un... Ici, j'ai perdu un soldat avec moi, c'est-à-dire qu'il a attaqué direct. Et il s'est replié ? Non, ça me paraît invraisemblable. Les Bulgares, je suis pas ennemi avec eux, merde. Je peux les buter, ils ont que 300 points. Ils viennent de voler une ville à moi, ils veulent de voler de prendre une ville juste devant moi. C'est qui les Bulgares ? Genghis. Ah, les Mongols. Est-ce que tu leur éclates la gueule ? Oui, mais ils vont t'envoyer des troupes, si jamais tu déclares la guerre. J'ai 6 unités dans chez eux. Bah d'accord, alors pas de soucis. Tu pourras peut-être même peut-être leur imposer l'état vassal. Ce n'est pas grave, parlons d'autre chose. Votre peut-être sera bien d'obus d'une lance. J'ai 6 chevaliers devant une ville qu'il a pris juste devant moi, 95%. Hop, la ville est à moi. Les autres unités vont aussi aller... Non, vont se régénérer, elles ont perdu un peu de vie. Toute nouvelle ville. Et vous, il y en a un qui se retranche. Ah, je peux faire des échanges, mais je suis en paix. Et j'ai pris... Tu vois, le petit gars qui était à côté de la ville, je l'ai mis en beaucoup mieux. Donc, En archer long, ok. Arbalétrier. Arbalétrier, ok. Ce qu'il me faudrait, c'est des chevaliers. Je sais. Ou des trébuchés. Si ça mettait des trébuchés, ça me permet de remporter la guerre. Catapulte, trébuchet. Ça prend pas mal de temps à se construire. Combien ? Trois tours. Non, je m'en fous de trois tours. Je peux attendre trois tours. Chevalier, trébuchet. Ouais, 12 tours là par contre. Bon, il a dit, c'est beaucoup plus long. J'en ai créé dans deux de mes villes. D'accord. Ce sera peut-être un petit peu long, mais c'est comme ça. Et à Danzig aussi, il faut que tu fasses des bâtiments culturels. À Danzig ? Ah oui, c'est vrai, j'ai cette ville-là. Là. Ouais, bah là, je suis en train de créer un monument. Ok, très bien, premier bâtiment culturel. C'est le premier truc que j'ai fait. Alors, arrêtez la guerre contre Elisabeth. Elle me propose la médiction. Vote pour non, s'il te plaît. Mais elle se fout de ma gueule ! La méditation. Un truc qui vaut 72 d'expérience, avec 10 d'or, contre un truc qui en vaut 700 ? Non, mais c'est parce que elle réfléchit bêtement. Enfin, elle se dit, non. Je lui propose. Arrêtez la guerre contre Elisabeth. Non, vote non, s'il te plaît. C'est moi qui suis en guerre contre elle. D'accord. Voilà, je me fais de la thune. Je sais pas combien j'ai de temps, je sais pas combien j'ai de chance. Ah, je suis pas censé être ennemi avec Elisabeth, moi. Mais bien on va sûr, péter la route. Je vais être éjecté de chez Elisabeth, moi, si je mets mon ennemi. C'est toi les violets ? Non, c'est pas toi. Mais je peux me mettre chez les violets. Il y a un tout petit mais carré c'est moi, violet les violets. Chez elle. Les violets clairs ? Oui, violets clairs. Les vikings. Justinien premier. Quoi ? Chez elle ? Chez Elisabeth ? C'est à toi, Rib. Mais t'as pas besoin de lui déclarer... C'est à moi, Rib. Oui, mais t'as pas besoin de lui déclarer la guerre. T'as juste besoin... Il faut que tu ailles au nord de Londres et que tu me prêtes tes unités. C'est ça, ouais, c'est ce que j'avais compris. Bon, j'ai déjà apporté une petite unité pendant que le... t'as le libre passage chez moi, donc tu peux t'installer dans la ville... Oui, t'inquiète pas. Au nord de l'Angleterre. Toi, tu t'arrêtes là... Mais il y en a un qui... Enfin, qui évolue, là. Moi, j'ai deux bons spots de ville à prendre. J'ai pas fait une bibliothèque, mais plutôt un colon. Ça prend combien de tours ? 20 tours ! Quand c'est une petite ville, ça prend très longtemps. Et pourtant, elle prend presque toutes ses ressources. Comme ça me prendrait combien de temps ? 20 tours aussi. Bon, ça coûte 100 marteaux, mais je vais le faire en premier, c'est le plus important. Ah, la ville de Bristol, elle est pas super bien placée parce qu'elle peut pas avoir les crabes. À Orléans, faut absolument que je me fasse un coup. Mais c'est très très long. 101 tours là, par contre, c'est pas une question parce que c'est pas encore débloqué. C'est un petit. Oula ! Oh non, ils ont voté que je devais arrêter la guerre. Erreur, vote non, 30 points. J'ai voulu beaucoup par ton temps. J'ai voulu, on attaque les... Je peux y aller, moi, avec mon bateau ? Ah, je dois faire un méga détour maintenant que j'ai plus de libre passage chez elle. Oh, t'as fait l'appel, Lily, c'est cool. J'ai pas eu le choix. Ah bon ? Je croyais que t'étais vraiment cool, moi. Va à Rib, alors, avec ta galère de guerrier. On va se charger d'eux. Je sais plus où elle est.
Elle est là. Elle est à York. Ma galère, elle est pas à York, mais oui. Quoi bah... Là, elle est à Londres. Moi, je la vois à York, ta galère. À York, j'en ai plusieurs. Mais elle a pas grand-chose pour l'instant. La prochaine arrive après. Ok, ok. Mais cette putain de galère-là, je vais essayer de la ramasser de l'autre côté, ça va être très long. Ça n'importe quoi, mais ça prendra 10 tours avant qu'elle arrive. Je perds encore 3 d'or par tour. Jamais tu mets 1% de... Ah oui, non, en fait, j'en ai plusieurs. Ouais, ouais. Elle était bien déjà là. Notre... Bon, pour l'instant, je te laisse un peu. Ah, je peux pas faire de baleinier. Ah ouais, lui, il a... Ah ouais, j'ai déjà une ville qui a grandi. En fait, tous ces chevaliers-là, vous allez aller en bas. Ah, s'il me faut une galère de plus, hop. Combien de tours, le colo? 34 tours. Ouais, bon, pour l'instant, je vais quand même le laisser faire en bâtiment, lui. Lui, ça doit être moins de tours en plus. 18. Est-ce qu'elle a pas grandi? Mais je peux pas la faire grandir plus rapidement, en fait. Il faudra attendre afin de la faire grandir. Hop. Là, j'ai mon chevalier qui se crée et tout, moi. Donc, moi, j'ai... C'est la guilde, moi, je sais pas si... Je perds encore des sous, alors que j'ai baissé ma technologie de valeur baissée, je pense. Je t'apporte un monsieur chevalier à Rib. Il est juste devant. Enfin, juste en dessous. Elle veut bien échanger. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, il me dit que j'ai un archer long ici. Qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Faire la poudre à canon, ce sera mieux. C'est une blague? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Comment on fait quand il y a des putains de chevaliers? Quand il y a des putains de. Ah oui. Deux. Ok, c'est bon. J'ai dit à mes ouvriers de faire des chemins commerciaux et c'était arrêté dans une ville en mode You n'arrête. Ça arrive. Ça coûte combien? Ah, c'est pour ça que j'ai plus d'or. J'ai payé tout mon or pour avoir pour changer mon petit archer de merde en truc mieux, mais du coup j'ai plus beaucoup d'or et j'en perds un petit peu à chaque tour, donc je dois baisser ma technologie après. Bon, toi tu vas visiter le monde. Hop. Moi je vais aller tuer Charel. C'est pas un ennemi, c'est juste que c'est des barbares. Moi j'ai fini. Quelle ville tu dis? Charel. Je sais pas du tout où c'est. T'as de l'or ou pas? Pas grand chose. Si tu gagnes de l'or, tu peux ne pas débloquer de technologie, tu gagnes de l'or et tu me payes de l'or pour les technologies. On peut faire des échanges de technologies sinon. Oui, j'en ai beaucoup moi. Ah, crotte. Si je. Ouais, je sais ce qu'il faut que je fasse. Si je prends pas les autres villes anglaises, ma ville anglaise que j'ai prise, elle va se révolter et elle va retourner dans les villes du côté des villes anglaises. Méditation. You have discovered paper. C'est logique. Ok, on va commencer par toi. T'as combien de chance? 90%. Y'a plus. Hop. 99,9. Oui, qu'on y installe un nouveau gouvernement. Hop. Je sais pas où, mais tu fais des conquêtes. Moi? Non, j'avais 4 petits chevaliers, ils ont éclaté. C'est quoi le comptoir déjà? C'est un phare. Si t'as des sous, je peux t'échanger des trucs. Ça dépend, tu veux m'échanger quoi? Moi je suis en fin de tour, donc je peux pas t'échanger, mais je peux t'échanger des technologies que t'as pas en grande quantité. J'ai théâtre, j'ai musique, j'ai droit divin, j'ai papier. Papy, ça m'intéresserait. Attends, faut que je regarde. Est-ce que je peux. Si t'as des sous ou des trucs, je sais pas. Des machins quoi. Ou des trucs à me donner, je sais pas. N'importe quoi que tu pourrais me donner pour pouvoir acheter tout ça. Parce que j'en ai pas beaucoup. Et... Pour l'instant, y a aucun truc qui m'intéresse particulièrement et pour lequel j'aurais les moyens de payer. Papier, on pourrait. Papier, mais j'accepte. On peut déjà échanger des cartes. Ah bon? Je peux pas demander ta carte, moi, 6 cartes du monde. T'as accepté, c'est ça? Ouais. Ah oui, toi, tu vas jusqu'à l'Inde. Je vois pas. Ah, t'as pris la ville de Sakel. Bulgare et Orléans. Waouh, mon dieu. J'en ai pris 3, ouais. Mais c'était assez rapide parce que j'ai 4 petits chevaliers. Tu vas te faire un
blob. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de faire une ville au-dessus de Orléans, et comme ça empêcher les Russes de passer chez toi, et ils pourront pas aller construire plus loin. Orléans, je l'ai créé, et après j'ai volé tout autour. Et du coup, à Orléans, je fais un autre gars pour créer. J'ai fini mon tour, moi. Ah, j'ai perdu une galère par une trimère romain. Oh là là, les relous. Toi qui m'ont pas coulé d'unité, c'est pas très grave. J'ai pas envie de faire ça, c'est... Ah là, j'ai trébuché, ok. Est-ce que t'as des troupes à me passer ou alors la guerre a déclaré à... Je sais que j'arrête pas de les apporter près de chez toi, ça... Mais tu me les donnes ou... Je sais pas encore chez toi, en fait. Il y en a deux qui sont chez moi. Ou non, elles sont pas encore chez toi. Ah non, il y en a... Ah oui, t'as raison, c'est pas encore chez moi. Elles sont juste en dessous. Alors, j'ai pas envie de faire une grande bibliothèque, à part si c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. À York, faut absolument que je fasse... Que je garde un artiste. Ok. Pour avoir de la culture et pouvoir résister. Juste au-dessus et... Cadeau. Merci. Et cadeau. Et cadeau. Et tout ça, c'est cadeau. Alors lui, je vais le faire foncer et je vais laisser les autres là. Celui qui était blessé. Il y en a un qui était blessé, non. J'allais défendre ma ville et en même temps, j'ai pas trop de choix. J'ai pas envie, en même temps, j'ai envie. Ce que je peux faire, c'est raser Bremen. Comme ça, t'auras plus de cases de culture et moi aussi. Parce que si je la prends, elle va être entre nous deux et... Hop, on vient à sa nouvelle gouvernement. Bah là, on déjà arrête. Nouvelle ville. Elle était un petit peu en dessous, je l'ai juste tapé comme ça sans faire exprès. Alors, a pris contrôle du Caucase. Là, quelqu'un qui est mort. Bon, Gengis, il est pas encore entre nous. Nous aimerions vous faire une protection, un truc. Il veut pas capituler. Non, il veut pas capituler, pas encore. Il faut que tu prennes beaucoup de ses villes pour qu'il veuille capituler. Faut que tu prennes de ses villes et que tu sois plus fort militairement que lui. D'ailleurs, moi je vais espionner Pierre les Grands. Et on va regarder si je joue un peu. Non, rien du tout. Puissance. J'étais plus puissant au début de la partie. Ouais, c'est rapide. Il considère qu'il a perdu la guerre. Il donnerait une technologie pour un traité de paix. Bah, c'est une technologie qui vaut beaucoup. En science ou pas? Faut que je vérifie, mais pas grand chose, je crois pas. Là, faut vraiment que je me ramène des unités par ici, moi. J'ai juste absolument besoin de ton trébuchet et je peux attaquer. Bah, je te l'ai déjà passé en fait. Non, pas encore. Ah non, oui, il est à la limite. J'en ai qu'un seul pour l'instant, mais il est déjà... Ah, juste à York. On va passer à la culture suivante. C'est bon, il atteint, mais il a plus d'énergie. Alors! Déclencher l'âge d'or, cet ordre commercial plusieurs personnes illustres. Oh lol, j'imaginais une ville. L'âge d'or. Ça sert à quoi l'âge d'or? Ça permet d'obtenir plus d'or sur les cases, et du coup ça te fait plus de recherches, plus de... Donner à ce personnage illustre, rejoindre une ville c'est en c'est quoi ton personnage illustre? C'est un Zoroastre. Non, pas son nom, son prophète type. Illustre. Prophète illustre. Le prophète illustre, sa capacité spéciale, c'est de s'installer dans une ville fondatrice d'une religion et de rapporter plein de thunes pour les pèlerins. Sauf que pour ça, faut que t'aies Jérusalem ou la Mecque. Jérusalem, c'est là où a commencé ton bateau au début. Donc c'est super loin. Tu peux soit l'utiliser en tant que personnage important de la ville et du coup, il rapporte quelques points à ta ville. Soit lui demander d'apprendre une technologie, je pense. Soit déclencher un âge d'or. C'est bon, j'ai choisi. J'ai déclenché l'âge d'or. La technologie était tellement claquée au sol que j'ai déjà en train de la débloquer, la technologie déjà de base. Et tu peux faire un moulin avant là. Toi tu défends ici, je suis désolé, mais tu as droit de défendre ici, c'est pas le choix. Bizarre. Normalement il faut une montagne. Je défends avec des chevaliers, mais j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. Oui, j'imagine. J'avais que deux arbalètes, mais bah il y en a plus. Du coup, j'ai passé toutes mes unités que je t'ai ramené là-haut. Parfait, merci. T'as quoi en fait toi? Donc je rase Bremen comme. Moi j'ai quoi? Quoi? Ouais. J'ai rien à te proposer. Si des ressources, tu veux des serres? Est-ce que tu as des serres? Non, t'as pas de serres. Non, ça peut m'intéresser. Alors, je réfléchis. Propose un serre, moi je peux te proposer peut-être des trucs. Je peux te proposer des. La ville de Paris par exemple. Non, je peux te proposer la pierre. Ou une technologie moyenne. Tu veux pas me proposer la ville de Paris? Non. Ah, ça me va, une technologie moyenne. 500, ça va? Ça me va. Merci. Elle prend quand même quelques tours à débloquer.
Ouais, moi je suis pas très fort en technologie, donc ça me prend plus que quelques tours pour la débloquer. T'es claqué au sol, t'es claqué au sol. Non, bah t'es aussi en mode plus difficile que moi. Quart du monde contre quart du monde. Non, mais je suis aussi au même niveau que les IA, c'est-à-dire à un niveau de difficulté de plus, c'est pas censé faire une différence. Oh, comment je l'ai couillé! Il m'a dit quart du monde, j'ai fait. Ok, mais tu passes 10 d'or, il a fait. Tiens! Oui, parce que ta carte du monde est plus grande, grâce à moi en fait. Ouais, bah du coup, je l'ai bien couillé. T'as échangé ça à Pierre Lebrun? Non, un capoumé, Kanjabush okay. Lakaka. Kanka Muska, c'est pas les Mongols ça? Oh mince, j'ai des gens mécontents, Harib. Ah, j'ai des gens empoisonnés, moi, à ma Paris. Empoisonnés. Bah, ça fait juste perdre de. Malade. Ouais, c'est pas super grave. Enfin, au début, tout de moins. Je vais faire un port. Non, c'est pas ouf. Ah, commencer comme ça. C'est bon, alors je cherche ce qui ferait du soin. Vous pouvez transformer des citoyens en marchands. Ok, ça me fait gagner des points parce que j'ai banane, etc. etc. Ok, c'est bon. J'ai du vin, ça me fait gagner des soignés, donc. Bon, on va alors. Faire, oui. Ok, hop. Alors. Il a quoi comme... Il a un chevalier et deux arbalétriers. C'est pas très bien, ça. Grenier. Je vais sauvegarder la partie. On sait jamais. Ah, mais ils sont... Erreur à construire le grand phare. Da, 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 da. Oh, génial. J'aurais voulu l'avoir. Bon. Du coup, ça me fait une méga enclume à côté, en plus. Est-ce que j'attaque maintenant? J'attaque qui? Bah, le mec... Pas de croissance. Ah, Bremen. J'ai très peu de croissance. Dis-moi, tu vois les unités qu'il a sur Salzbourg, l'allemand? Attends, je pense, mais attends. Je cherche ce qui pourrait me permettre d'avoir plus de bouffe. Bah, où ça? À ma ville, en bas. Saquel? Non, mais en France, Marseille. Ah, Marseille. Tu peux échanger des cases, sinon. Est-ce que Marseille, elle a la case de champ en dessous? Faut que tu fasses de la culture à Marseille, tu peux prendre la case qui est juste en dessous, qui est aux Romains pour l'instant. Ok, ça fait 6 tours déjà. Ouais, 6 tours avant la prochaine reproduction de personnages, ce sera déjà pas mal. Ah, pour l'instant, il n'y a que 2 de population, c'est normal que ta ville, elle n'ait pas beaucoup de nourriture. Mais c'est pareil chez les voisins. Du coup, j'ai enlevé mon enclume et j'ai pris mon foin à côté, c'est un peu à dire. On attend d'autres civilisations. Mais après, tu pourras avoir les enclumes. Ah oui, c'est moi. J'hésite. Bon, on va attendre ce tour-ci. Ok. Hop. On attend d'autres civilisations. Ça m'arrive tous les tours. Oui, mais toi tu vas trop vite. Alors que cette fois-ci c'est pas moi. Alors, astronomie, banque, éducation. On va faire un colon pour là-haut. Il me conseille d'exploiter ces cases-là, pourquoi pas. J'hésite à attaquer Bremen, mais. Ah, il a un super effet de destruction des défenses de ville, mon truc. Donc pour l'instant, on va le garder. Ils ont construit Madrid. J'ai pas compris ce que c'est spécial, ouais. D'accord. Bah, ils ont construit Madrid là-haut. Tu vois Madrid? Non, tu vois pas, faut que tu vois. J'hésite à déplacer un... C'est un quart du monde, quart du monde. Tu vois Madrid? En nord de l'Angleterre? Ah ouais, Madrid, ouais, je vois. C'est censé être une ville à moi. Donc je vais la reprendre dès que je pourrai. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut pas la peine que j'embarque tout le monde en galère? Dans la galère! D'où la galère! Ah, en vrai, je pense que ça vaut la peine. En vrai, Paris, il est trop bien. Évolution dans deux... Bon, au cas où il y a quelqu'un qui vient de m'attaquer, hop, il y a une galère en chemin. On attend toute civilisation. Ah, il a des trimères! Oulala, il a des trimères. Bon, on va quand même perdre. C'est pas grave. Oh merde, des trimères! Hop, ouais, il m'a coulé ma galère. A été la guerre contre Pierre le Grand. M'en fous. Je suis pas allié avec lui. Est-ce qu'on peut débarquer là? Ouais. Je vais débarquer sur la pointe pour éviter qu'il vienne me tuer.
Marché, annulé, traité de paix. 10 tours avec Elisabeth. Je t'ai ramené encore un chevalier. Parfait. T'as fait la paix avec Justinien Ier. Ouais, parce que c'est un de ceux que j'affronte pour rien. Le monsieur. J'ai intérêt à faire un bâtiment culturel. Je vais recevoir au prochain tour, je crois. Là, j'ai fait un grenier. Là, c'est directement à part lui qui fait un colon. Du coup, lui, je l'ai bien dit, il fait que des trucs meilleurs. Hein. Ouais, c'est bien. Alors qu'il fallait vraiment qu'ils se produisent plus, ouais, donc c'est mieux là. I'm already my friend. Ah, ils ont arrêté la guerre. Bon. Carte du monde, garde du monde. Oh, voulez-vous voyager, monsieur? T'es 30 d'or. Je les ai fait débarquer que d'une galère. Ok, voilà, voilà. J'ai vendu ma carte du monde et plus 30 d'or. Rue, je l'ai bien niqué. Ok, ça a été. Oh, il y a beaucoup de chevaliers romains. Des troupes ont été repérées par des Bulgares. Qu'est-ce que c'est cette galère ici? Ah, elle est enfin arrivée. Hop, tiens, je t'ai passé une galère en plus. Ah, c'est assez loin en fait. Et c'est pas des ennemis. Hein. Bon, lui, je vais le faire débarquer par mon sécurité. C'est moi qui lui bouffe son territoire là, clairement. Et j'ai fini là ce qui était. Ouais, j'ai deux méga pains à Paris, ce qui permet de faire un méga truc de production. J'ai 11 gars et surtout 2 mégapins, et c'est les 2 mégapins qui font que pouf, ma production c'est. D'accord, elle est là, Bulgare. Mais il y a des arbalètes dans Bulgare qui vont faire. Ils vont faire nada. Ah, je vais arrêter la première vidéo ici. On se retrouve bientôt pour la suite, pour le prochain épisode. La semaine prochaine, même jour, même heure.